Le principe de la détection, c'est qu'on va injecter un faible courant sur le câble métallique, donc le câble électrique qui est raccordé dans le candélabre. Ce courant aura une fréquence que l'on va injecter dans le câble, et par induction électromagnétique, donc le détecteur a des bobines, ça crée un courant dans cette bobine à la même fréquence, on le récupère et le détecteur l'analyse, et ça permet par différence de plusieurs bobines de connaître exactement la profondeur dans le sol. On balaye le sol et on cherche la pointe et le meilleur signal, ça veut dire qu'on est forcément au-dessus du réseau. Une fois qu'on est au-dessus du réseau, on renvoie la mesure qui est faite, dans laquelle on va retrouver l'intensité du signal reçu et sa profondeur. Donc après, on vient mettre la pointe au même endroit et on géoréférence. Effectivement, le GPS dit, il trouve sa coordonnée. Là, la tablette sait qu'on a une canne de 2 mètres, donc le point du terrain naturel est ici. Et comme il y a la profondeur, ça reprojette un point dans le sol et on a la bonne coordonnée du réseau.